aussi complet sur une Infinity. Moteur V8. Nous contrôlons sur ces véhicules l'éclairage, la suspension, le train avant, le train arrière, les organes de sécurité tels que les ceintures, les airbags, les ABS. Nous contrôlons également les niveaux d'huile moteur, boîte de vitesse, direction assistée, liquide refroidissement, lave-glace. Nous contrôlons aussi également la périodicité de remplacement de la courroie de distribution, savoir où ça en est. Nous contrôlons également le vitrage, c'est-à-dire l'état des pare-brise, du pare-brise de toutes les vitres. Nous contrôlons également aussi les ouvrants, c'est-à-dire les ouvertures et fermetures du véhicule. Nous contrôlons également les pneus. Voilà, vous savez que la liaison au sol est très importante, elle se fait par les pneus. Lorsqu'un pneu est déformé, le véhicule va rouler en dansant. Alors nous contrôlons que les pneus ne soient pas déformés. Nous contrôlons l'usure des pneus également. Et regardez le vieillissement des pneus qui ne soient pas craquelés. Car la sécurité de son propriétaire de l'automobile, ça en dépend. Voilà, nous contrôlons également les stops à l'arrière. Les trois first stop, ce qui est important pour signaler aux usagers qui vous suivent l'action que vous avez menée et que vous allez mener. Voilà, nous contrôlons également la climatisation à l'intérieur du véhicule. Nous voyons à ce que la clim fonctionne très bien pour assurer le confort des occupants. Voilà, nous contrôlons aussi l'état du filtre à pollen. Ce filtre qui sert justement à freiner toutes les particules, empêcher au pollen de rentrer dans l'habitacle afin de vous assurer un confort dans l'habitacle. Voilà, nous contrôlons l'éclairage, les klaxons. Nous contrôlons le bon fonctionnement des vitres, si elles montent, si elles descendent, sans blocage. Nous contrôlons également les rotules de suspension. Nous contrôlons les amortisseurs aussi également. Voilà, c'est important de savoir que la suspension de son véhicule est efficace. Face au nid de poule que nous avons ici, ben, il faut avoir une bonne suspension pour pouvoir y faire face. Voilà ce qui est de nos contrôles. Nous interrogeons également tous les calculateurs moteurs, tous les calculateurs en présence dans le véhicule, via une prise OBD qui se trouve en dessous là. Donc nous contrôlons, nous interrogeons tous les calculateurs, moteurs, calculateurs de boîte automatique, calculateurs d'ABS, d'airbags, de climatisation, des portes, le BSI. Nous interrogeons également les calculateurs de confort, c'est-à-dire radar de recul, et tout ce qui est autoradio, gestion de la boîte de vitesse, gestion des vitres. Donc nous interrogeons tous ces calculateurs-là en présence et relevons tous les codes défauts. Et ensuite, nous les interprétons et proposons une solution. Car vous savez bien qu'après avoir constaté, la question est souvent, bon, comment on fait, comment on solutionne? Ben oui, nous avons la solution. Donc nous diagnostiquons d'abord, ensuite nous proposons des devis pour pouvoir remédier au problème selon vos convenances. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Donc, partagez-la et abonnez-vous surtout.